Il était une fois un monde sans terre. Il était une fois un monde sans terre. Il était une fois un monde où l'on ignorait même ce qu'il signifiait, ce mot. Terre. La mer était partout et les maisons n'existaient pas. Les hommes naissaient, vivaient et mouraient sur les bateaux. Personne ne saurait dire depuis quand et pourquoi c'était comme ça. C'était comme ça. C'est tout. Les hommes et les femmes habitaient dans des bateaux-maisons multicolores. Ils n'avaient pour environnement que de l'eau, à perte de vue. L'immensité du ciel, le soleil et la lune. Ils vivaient de chasse et de pêche et se nourrissaient de mouettes, de pélicans, de goélands, de poissons, de crustacés. Ils buvaient l'eau de pluie. Pour assaisonner les aliments, ils récoltaient le sel en faisant évaporer l'eau de mer. Leur monde sans terre était un monde où il n'y avait ni végétation, ni forêt, ni fleurs. Aucun jardin. Mais c'était un monde calme. Un monde de silence et de sérénité. Chaque matin, les hommes partaient à l'aube pour la grande pêche quotidienne. Lorsqu'ils arrivaient à destination, ils lâchaient leurs grands filets et attendaient, en chantant, en jouant aux cartes, en nageant ou en observant l'horizon. Certains lisaient, d'autres buvaient et riaient bruyamment. Quelques heures après, ils remontaient le filet. D'habitude, c'est avec peine qu'ils remontaient le filet, tant il y avait de poissons. Mais ce jour-là, avec stupeur, en ouvrant leurs grands yeux ébahis, ils s'aperçurent que le filet était vide. Pas un seul poisson. Rien. Pas un espadon, aucune sardine, pas de saumon, pas d'esturgeon, pas de thon. Aucune plie ni barre, pas de hareng non plus. Un désastre. Jamais de la vie, ni de celle de leurs parents, ni de celle de leurs grands-parents, cela n'était arrivé. L'information se répandit de bateau en bateau. Les pêcheurs s'exclamèrent. Comment allons-nous faire pour manger s'il n'y a plus de poissons? C'est une catastrophe. Le désordre gagna le village de bateaux. La grogne monta. On entendit, ici, un marin s'écrier. Ce n'est pas possible, c'est une véritable malédiction. Nous sommes maudits, nous allons disparaître. Mais à ce même moment, une femme s'avança, tenant un nouveau-né dans ses bras. Comment pouvez-vous dire que nous sommes maudits, puisque aujourd'hui est né cet enfant magnifique? Aujourd'hui est un jour merveilleux, car c'est le jour où est né mon fils, Jean. Merveilleux? Comment oses-tu te réjouir alors que nous n'avons plus rien à manger? Pas de poissons dans le filet, nous sommes perdus. Je pense que vous pêchez trop de poissons et la mer ne peut plus vous offrir ce que vous réclamez. Trop de poissons? Mais comment peux-tu affirmer cela? Il faut nourrir de plus en plus de monde et la mer nous donne du poisson depuis toujours. Je connais la raison du manque de poissons, je le sais, c'est ce nouveau-né qui est maudit. Sa naissance correspond exactement avec la disparition des poissons. C'est lui le responsable, c'est l'enfant. Oui, c'est lui le responsable. Comment faire alors? Il faut bannir l'enfant. Il en va de notre vie. Lui ou nous, pas nous ou lui. Non, vous ne pouvez pas faire cela. Chassons-le, nous ne pouvons pas faire autrement. Décidons ensemble de ce que nous ferons avec cet enfant. Votons pour le garder ou le bannir. Oui, votons. Le capitaine de la communauté et chef du conseil des marins prit la parole. Nous allons procéder au vote
pour décider du destin de cet enfant. Que ceux qui veulent le bannir le disent. Moi, 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 moi. Silence. Que ceux qui sont contre le disent. Qu'on le bannisse. Oui. On décida de bannir l'enfant et de le chasser. On le déposa enveloppé dans des couvertures, dans un bateau sans voile que les hommes construisirent à la hâte. Dépêchons-nous de le mettre dans le bateau avant que sa mère n'arrive. Larguez les amarres. Enfin débarrassé de lui. J'espère qu'on aura à nouveau du poisson. Le bateau disparut peu à peu à l'horizon. Et l'enfant se retrouva seul sur la mer. Et la mer eut pitié de lui. Alors elle lui remonta des algues pour qu'il se fasse un oreiller. Elle calma ses tempêtes. Pour le nourrir, elle se recroquevillait sur elle-même, emprisonnant ses poissons, ses crustacés, ses fruits de mer. Et dans une grande vague, elle les déposait délicatement dans le bateau. Quand l'enfant avait soif, la mer ordonnait aux nuages de faire tomber la pluie. L'enfant pouvait alors boire et se laver. Pour l'endormir, elle demandait aux baleines et aux dauphins de chanter. Pour le rassurer, elle berçait l'enfant en faisant tanguer le bateau doucement et lui donna une étoile de mer comme doudou. Quand il y avait un danger, elle éloignait l'enfant pour le mettre en sécurité et attaquer les ennemis en faisant des tourbillons. Et quand elle se mettait en colère, cela créait des remous et des tempêtes. En réalité, elle s'occupait de l'enfant comme s'il était son propre fils. Je prendrai soin de toi, mon petit. Du côté des hommes, quelques jours après le départ de l'enfant, ils s'aperçurent que le poisson manquait toujours et que peut-être l'enfant n'était pas la cause de leur malheur. Mais si ce n'était pas l'enfant, c'était forcément quelqu'un d'autre. On commença à se guetter du coin de l'œil en cherchant le responsable. Certains en accusèrent d'autres d'aller pêcher en cachette. Et ce qui devait arriver, arriva. Des insultes, puis des bagarres éclatèrent ici et là. Des tirs d'abord, puis des coups de canon entre deux bateaux, et ensuite des chocs. Les coques se frottèrent. Un bateau reçut un boulet, un autre reçut une flèche enflammée. Des marins abordèrent des autres bateaux et passèrent par-dessus bord leurs occupants. C'était la guerre. Des bateaux coulèrent, d'autres brûlèrent. Il y avait des débris partout, jusqu'à transformer la mer en un immense champ de bataille. Les années passèrent. Les années passaient. Et l'enfant grandissait. L'enfant grandissait. Il allait plutôt bien malgré sa solitude. La mère continuait à s'occuper de lui. Et lui apportait tout ce dont il avait besoin. Par une nuit de pleine lune, il se mit à regarder les étoiles. Tout était paisible autour de lui. La lune le regardait tristement. Et elle se mit à lui parler. Qu'est-ce qui te préoccupe, mon enfant ? Oh, madame la lune, je ne manque de rien ici.
mais je me sens seule et chaque nuit je fais des rêves étranges. Raconte-moi tes rêves, mon garçon. Eh bien, je rêve de marcher sur un sol dur, de vivre dans une maison stable, qui ne flotte pas dans tous les sens comme ce bateau. Je rêve d'un endroit où il y aurait autre chose à voir que cette eau à perte de vue. Il doit bien exister des endroits différents, non ? Je rêve de manger autre chose que ces poissons que la mer m'envoie. Je rêve d'aliments différents, des aliments de toutes les couleurs, des choses qu'on cueillerait sur des arbres ou qu'on ramasserait dans la terre. Je rêve de boire de l'eau douce plutôt que cette eau de pluie qui tombe du ciel. Je rêve aussi d'avoir des amis, de jouer avec d'autres enfants. Est-ce que ce monde existe de là-haut, tu le vois ? Mais la lune ne répondit pas. Elle avait disparu derrière de gros nuages et l'enfant s'endormit. Du côté des hommes, la guerre empirait. La situation était de plus en plus grave. Si grave que la mère se fâcha. Vous êtes devenu fou. Vous vous entretuez. Vous allez disparaître. Je me retire et je vous emmène avec moi, chez mon frère Océan. Lui saura punir votre haine. Il est bien plus fort que vous. Vous finirez par me regretter, moi qui vous ai toujours tout offert. À vous battre et vous montrer du doigt, vous en avez oublié la beauté du monde, la beauté du monde, la beauté. Dans un bruit terrible, un immense tourbillon sortit de ses entrailles. La mer se retira, emportant avec elle tous les bateaux, tous. Non. Elle en laissa un. Celui de l'enfant, qui était devenu un peu le sien, prenant soin, avant son départ, de s'entretenir avec la lune. Ce matin-là, l'enfant ne se réveilla pas comme d'habitude, car au lieu de recevoir de grosses gouttes d'eau salée, comme chaque matin, cette fois-ci, il ne reçut rien. « C'est bizarre, se dit-il, il doit y avoir un problème. » Il ouvrit les yeux et vit que son bateau sans voile était suspendu dans trois arbres. Il regarda en bas et vit une nouvelle couleur qu'il ne connaissait pas, une rivière qui s'écoulait, et des animaux qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il descendit lentement et toucha toutes ces choses qu'il ne connaissait pas. Tous ses rêves étaient devenus réels. Merci, murmura-t-il. Il marcha le long d'un chemin et vit des vignes et du raisin mûr. Il en goûta une grappe, puis deux, puis trois. Rassasié, il s'allongea dans les herbes hautes et regarda les nuages défiler. À la nuit tombée, il compta les étoiles en rêvant à tout ce qu'il allait pouvoir faire maintenant. Sauter dans les flaques, regarder l'orage, construire des routes, faire des bisous. Avoir une femme, prendre un bain, être riche, sentir les fleurs, écouter la pluie. Avoir une femme, écouter.
Ce qu'il devint, l'histoire ne le dit pas. Mais ce que le conte raconte, ce sont les derniers mots que la lune lui murmura à l'oreille. À lui, l'enfant marin maudit, qui rêva si fort que tout devint réalité. Enfant, n'oublie jamais tes rêves. Les hommes en ont besoin. Ce conte a été créé par les écoliers de Marsal, Moyenvic et Mulcé, avec l'aide de l'Office du tourisme du pays du Sol Noir, Vic-sur-Seille et environ, et Fabien Bondil.